Salut, salut tout le monde, bienvenue. On se retrouve pour la troisième saison de Tetris, oui, enfin. Ouais, je fais de la concurrence à Square Enix, bientôt 10 ans pour dire de faire une nouvelle saison. Non, allez, plus sérieusement, là, vous voyez, on est dans un milieu aquatique et j'ai envie de changer un peu de la capitale et de Nefania parce que je me lasse un peu et donc j'ai besoin de passer sur un nouveau projet, le projet Tétis qui sera donc la cité des Abalanes et qui sera une cité sous-marine. C'est pour ça que vous me voyez en plein centre d'une grande mer. Deuxième particularité de cette cité et que j'avais pas prévu, c'est qu'elle tombe juste à côté d'un temple de Guardians. Donc en fait, ça va faire double emploi puisque à la fois je vais pouvoir me faire plaisir en faisant un autre style de construction, excusez-moi, mais en plus je vais pouvoir me faire une ferme à Guardians. Ce qui va me permettre d'avoir plus de denrées et beaucoup plus de matériaux pour dire de faire mes constructions et d'essayer justement de construire autre chose que des châteaux ou des maisons lambda. On va essayer d'innover et d'aller sur un design un peu plus moderne. Alors là, comme vous voyez, on est à 2500 cubes de la capitale. Et je pense que je vais avoir un projet à 2500 cubes de la capitale dans tous les points cardinaux. On avait commencé à faire un repère lors de certains épisodes de la capitale. C'était pas pour rien puisque bah voilà, là je sais que Tétis est ici. Il y aura encore d'autres projets dont je vous parlerai un peu plus tard. Je sais déjà ce que je vais faire, mais pour l'instant je les garde pour moi pour pas me les faire piquer. Voilà, donc là le problème que j'ai, premier problème que j'ai avec Tétis, c'est que c'est hyper loin, 2500 cubes, et que je me vois mal en train de les faire à chaque fois avec les matériaux dont j'aurai besoin. Donc de ce fait-là, je vais simplifier les choses. On va apprendre à lier un portail. C'est-à-dire que moi, je voudrais un portail qui arrive juste là. Donc je fais F3, je prends l'axe des X et des Y ou des Z, je me rappelle plus. Non, c'est X et Z parce que le Y c'est la hauteur. Et quand j'ai comment dire, ces données-là, eh ben, je vais retourner au niveau de la capitale. Donc là, j'y vais à pied parce que j'ai toujours pas créé mon portail. Donc, on va se rejoindre au niveau de ce que j'ai créé dans le Nether. Bon, il est temps de faire un petit aparté. Je vais vous expliquer. On a pris les mesures dans l'Underworld qui sont moins 2362,54 et en Z 234. 4,69. Moi, ce que je veux, c'est tout centraliser mes portails au niveau du Nether, dans la base que vous me connaissez, c'est-à-dire là où je passe pour dire d'aller à la capitale, pour dire d'aller aussi dans ma base du Nether et tout le reste. Je veux que tous mes portails soient au même endroit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans le Nether et on sait que on met 8 fois plus de distance dans l'Underworld que dans le Nether. Donc on va tout diviser par 8, aussi simplement que ça. Donc le moins 2362 devient moins 295, vous pouvez vérifier si vous divisez par 8, et le 234 devient 29,33. On s'embête pas avec les chiffres derrière les virgules, on garde que les chiffres pleins. Voilà, on est ici au niveau de mes tunnels du Nether, c'est ce que j'utilise pour dire de me déplacer le plus vite possible d'un endroit à l'autre dans l'Underworld, c'est-à-dire que je passe temporairement dans le Nether et j'arrive plus vite sur le lieu pour arriver dans l'Underworld. Donc là, vous avez ici derrière moi le premier portail qui est celui-là de ma capitale, celui-là qui donne dans mon église. Il y a un petit passage secret juste derrière l'hôtel, mais vous le dites à personne. Donc, quand vous êtes à la capitale et que vous passez par l'église, quand vous rentrez dans le portail de cette église, vous ressortez dans le Nether juste ici. Alors, avant, j'ai aussi, comment on appelle ça, la ville de. Par là, j'avais la ville de Funky Town. Problème, c'est que j'ai eu un problème de chunk et qu'elle a disparu.
Donc toutes mes constructions sont flinguées, ainsi que mon usine à fer. Donc ça, il va falloir que dans un épisode prochain, je règle le problème en refaisant une usine à fer. Mais bon, tant mieux pour vous, ça vous permettra de voir un peu comment je fais mes usines à fer. Et donc voilà, là comme vous voyez, je suis déjà en train de partir. Je vous ai mis le F3 pour que vous puissiez voir les chiffres. Je suis bien sur 29, donc en gros le 29 on va pas avoir à le gérer en Z. On a que le Y, enfin le X, excusez-moi, à le Y c'est la hauteur. Le X à gérer, et comme vous voyez, je suis déjà à moins 130, 140 même maintenant, 150. Donc voilà, surtout faites bien attention aussi au moins et au plus, hein, parce que sinon vous allez partir dans le mauvais sens. Faites attention quand un chiffre est négatif, gardez-le en négatif, quand un chiffre est positif, gardez-le en positif. Sinon vous allez finir par construire votre portail n'importe où et vous allez vous demander pourquoi vous n'êtes pas arrivé au bon point. Donc là voilà, vous voyez, c'est quand même assez long déjà dans le Nether. Imaginez-vous qu'il y a 8 fois ça dans l'Underworld, donc c'est quand même plus intéressant de pouvoir diviser. Donc là j'avais préparé mon coup, puisque ça tombe en plein milieu de mon tunnel qui allait vers ma base du Nether. Tethys va se retrouver à mi-chemin. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai préparé en fait mon portail exactement aux bonnes coordonnées, hein, c'est-à-dire le moins 200 et quelques, et le 29. Donc voilà, là j'allume mon portail ici. Si je l'avais fait dans l'Underworld, il aurait créé un peu n'importe où, soit à la surface, soit dans une cavité. Là, comme je l'ai mis à la bonne distance, vous voyez, il m'a créé mon portail. J'avais déjà préparé un excusez-moi, mais c'est pour dire de vous faire gagner du temps. Donc voilà, là il m'a créé un portail qui est juste ici. Donc quand vous créez un portail dans le Nether, il vous en crée un dans l'Underworld. Pareil, si vous en créez un dans l'Underworld, il vous en crée un dans le Nether. Ce qui est un peu logique, puisque c'est pour dire de communiquer entre les deux mondes, les portails. Donc là, moi le problème, c'est que je pourrais très bien vouloir qu'ils viennent ici. Vous voyez? Donc à ce moment-là, ce que vous faites, c'est simplement, là je le fais en boost parce que je ne vais, enfin en dirt, parce que je ne vais pas le garder. Mais en fait, vous faites ça avec l'obsidienne et vous reconstruisez un portail et vous l'allumez. Et à partir de là, il va prendre le pas sur celui-là qui a été créé en bas. Vous aurez plus qu'à détruire celui-là du bas. Et à partir de là, le portail du Nether va s'initialiser sur le nouveau portail que vous aurez créé. Alors pourquoi moi je le crée pas là-haut comme je vous l'ai montré? C'est parce que moi ça m'intéresse pas en fait. Mon portail, je voudrais qu'il soit lié à un portail central de ma cité. Et le centre de ma cité... Alors attendez, je récupère quelques seaux de lave parce que je vais en avoir besoin par la suite. Donc ça, c'est le portail qui a été créé automatiquement et que je vais finir par détruire. Pour l'instant, je l'utilise. Parce qu'il me permet d'arriver juste à côté de mon installation. Donc automatiquement, pour l'instant je le garde, mais en fait à terme, je regarde certaines choses, à terme je voudrais qu'il soit plutôt par ici. Souci, c'est qu'il y a extrêmement beaucoup de lave, excusez-moi, et pour l'instant je peux pas trop le mettre où je veux. Donc j'essaye d'avancer un peu dans l'entreprise. Comme vous voyez, il va y avoir du boulot. Ah, il y a eu un bug. Ouais, il y a eu un bug. Il va y avoir extrêmement beaucoup de boulot parce que comme vous voyez, je flirte avec la lave depuis un petit moment. On va passer en créa. Et d'ailleurs, ce sera une des nouveautés de cette série. C'est que la saison 3 Tethys, la cité des Abalones, je vais aussi utiliser l'aspect créa que j'ai dénigré jusqu'à aujourd'hui parce que je voulais jouer beaucoup en survie et me mettre à l'épreuve. Bon, je pense que j'ai fait mes preuves jusque là et quand je vois que je peux faire en quelques mois ce que j'ai fait en des années sur la capitale et sur Nephalia, je pense que Tethys, je vais accélérer un petit peu les choses et je vais le faire en créatif. De toute façon, ce sera pas un problème pour les denrées, puisque les denrées, comme vous allez voir, je vais en avoir, on va devoir excaver tout ça pour arriver jusqu'en bas en faisant un dôme. Donc voilà, ici mon portail devrait arriver là où j'étais.
Mais pour l'instant, comme vous voyez, il y a de la lave partout, mais vraiment partout. Regardez, il y en a même là. Mais c'est effarant, je sais plus quoi faire de cette lave. Le souci, c'est que j'ose pas je pourrais la faire disparaître, mais j'ose pas la faire disparaître tout de suite parce que, un, c'est un système de protection contre les mobs. La plupart se prennent dedans et finissent par cramer, ce qui m'évite bien des problèmes. Ça m'éclaire, et en plus de ça, c'est une ressource principale pour mon Fournest 3000. Enfin voilà, bon, j'espère que vous avez compris comment lier un portail. Et moi, je vous dis salut et à bientôt. Allez, bye bye!